Bonjour, je suis Sébastien Dorper, je suis pharmacien, je suis sexologue et responsable du service de santé sexuelle, service que j'ai créé il y a 2 ans au centre hospitalier de Lunéville. Donc ce service a pour vocation d'aider, de prendre en charge les personnes qui ont des difficultés dans leur sexualité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des antidépresseurs sur la sexualité. En France, nous sommes le pays qui consommons le plus d'antidépresseurs au monde. Parmi les antidépresseurs, nous avons une famille, donc ceux qui sont le plus consommés, qui sont les antidépresseurs sérotoninergiques. Alors, ces antidépresseurs ont la particularité d'avoir au niveau cérébral plus de concentration de sérotonine. La sérotonine est une molécule qui favorise, eh bien, la joie de vivre, le bonheur et le bien-être. Cette sérotonine, eh bien, effectivement, elle va impacter aussi la sexualité. Alors, elle peut l'impacter positivement, mais elle peut l'impacter aussi négativement. Donc, nous allons voir les deux aspects. Alors, les antidépresseurs sérotoninergiques vont avoir pour effet d'augmenter la quantité de sérotonine au niveau du cerveau. Cette sérotonine va avoir des effets indésirables, effets secondaires, lorsqu'on prend le médicament. Alors, il faut dire que les effets secondaires ne sont pas automatiques. On peut prendre des médicaments et ne pas faire les effets secondaires. Donc c'est un point important. Si vous prenez ce type de médicament, pas d'inquiétude, très souvent, il n'y a pas d'impact. Malheureusement, chez certaines personnes, on va développer des effets secondaires, et en particulier sur la sexualité. Alors ces effets secondaires, ils sont multiples. Ils peuvent impacter la libido, ils peuvent impacter l'orgasme, ils peuvent impacter l'érection. Nous allons voir l'impact sur cette dynamique sexuelle. La libido, c'est l'envie d'avoir une intimité, l'envie d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Alors cette libido, au cours de la vie, elle est variable. Elle peut des fois être élevée, des fois elle peut être basse, mais ça va varier en fonction du temps, ça va varier en fonction des partenaires, ça va varier en fonction de l'environnement, du stress, du travail, de plein de facteurs. Cette libido, aussi bien chez l'homme que chez la femme, peut être impacté quand on prend certains types de médicaments, en particulier les antidépresseurs sérotoninergiques. Ces antidépresseurs, malheureusement, vont très souvent diminuer la libido. On a moins envie, on est moins porté sur la sexualité, et donc derrière, ça peut poser des problèmes au sein du couple, ou même au sein de la personne qui est seule et qui du coup n'a plus du tout envie de rapport sexuel, n'a plus du tout envie, bah, d'aller vers les autres, de draguer, de se toucher, d'avoir une intimité. Chez l'homme qui prend des antidépresseurs sérotoninergiques, on va malheureusement pouvoir être confronté à des problèmes d'érection. Alors il faut savoir que ces troubles d'érection, très souvent, sont réversibles. Donc on va avoir une petite période où effectivement, à l'initiation du traitement, on va avoir des problèmes d'érection. Très souvent, ça se résout tout seul. Donc là, il n'y a pas de problème. Malheureusement, chez certains hommes, ces troubles de l'érection vont perdurer. Donc soit vous avez la possibilité d'en parler à votre médecin, qui va alors changer de molécule, changer de médicament antidépresseur, ou alors il va décider de rajouter un autre médicament qui va vous permettre de retrouver des érections. Alors si vous ne voulez pas rajouter un autre médicament, vous pouvez aller consulter un sexologue. Les sexologues ont la capacité et les compétences pour vous prendre en charge et travailler avec vous pour essayer de retrouver des érections, même s'il y a du médicament. Alors, chez certaines femmes qui sont aussi sous antidépresseurs sérotoninergiques, on peut aussi avoir comme effet indésirable un trouble de l'érection. Donc, chez la femme, l'érection va concerner le clitoris. Et en fait, vous voyez, le clitoris ici, ce n'est pas que l'appendice qui se trouve en haut de la vulve. Le clitoris va aussi rentrer et entourer le vagin. Ce clitoris, lorsqu'il se remplit de sang, donc corps caverneux et corps spongieux, vont se remplir de sang et ça va provoquer une exudation, donc une lubrification. Donc la femme qui a aussi des problèmes d'érection va avoir des difficultés à lubrifier. Donc c'est un des effets indésirables qui peut être rencontré effectivement chez les personnes qui sont sous antidépresseurs sérotoninergiques. Là aussi, il est important d'en parler à son médecin, qui va pouvoir soit changer de molécule, ou alors vous proposer d'autres médicaments qui vont vous permettre d'avoir une lubrification et donc permettre un rapport sexuel.
Alors, les médicaments, ces antidépresseurs sérotoninergiques vont aussi impacter l'orgasme. Alors, bien évidemment, ce n'est pas automatique, on parle d'effet secondaire. Donc, un effet secondaire, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas chez tout le monde, et ça ne concerne pas toutes les personnes, hommes ou femmes. Malheureusement, chez certaines personnes, on va avoir un trouble de l'orgasme. En fait, chez chaque individu, on a une période pour laquelle on va pouvoir avoir un rapport sexuel et au bout d'un certain temps, on va avoir un orgasme. Alors chez l'homme, cet orgasme peut malheureusement être très 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 court et survenir dans les 2 minutes après une pénétration. On va parler d'éjaculation prématurée. Alors ces antidépresseurs sérotoninergiques qui vont rallonger cette latence éjaculatoire, ben chez eux c'est plutôt positif, c'est plutôt pas mal. C'est un effet secondaire qu'on aimerait bien avoir parce qu'effectivement, au lieu d'éjaculer en moins de 2 minutes, on va éjaculer au bout de 5, 10, 15, 20 minutes et donc permettre un rapport sexuel qui est tout à fait satisfaisant. Malheureusement, eh bien, chez certains hommes et chez certaines femmes, cette latence éjaculatoire va être tellement, tellement rallongée qu'en fait, les personnes n'arrivent pas à avoir d'orgasme au cours d'un rapport sexuel. Donc il y a une vraie souffrance. Il y a des vraies difficultés. Là aussi, ce n'est pas automatique, ça ne concerne pas tout le monde et ça peut être pris en charge. Il est important d'en parler à votre médecin ou alors d'aller consulter un sexologue qui saura vous aider et vous accompagner pour vous permettre de retrouver des orgasmes satisfaisants. Alors la sexualité, c'est quelque chose de positif. La sexualité, ça fait partie de notre équilibre, c'est une pulsion de vie. On en a besoin. Et donc c'est important de maintenir tout au long de sa vie une sexualité qui soit source de plaisir et qui surtout soit épanouissante. Alors malheureusement, ben dans la vie, on peut avoir des accidents de parcours où nos médecins nous prescrivent des antidépresseurs et en particulier des antidépresseurs sérotoninergiques. Donc c'est bien. On va avoir de la sérotonine qui va être libérée dans notre cerveau. Et on va être de bonne humeur, on va être mieux dans notre peau, on va être plus en forme. Malheureusement, comme on vient de le voir, eh bien, cette sérotonine va impacter la sexualité. Donc ce n'est pas parce qu'elle va et qu'elle peut impacter la sexualité, heureusement ça n'arrive pas à chaque fois, eh bien, qu'il faut arrêter de soi-même le médicament. N'arrêtez jamais un médicament sans en avoir parlé à votre médecin. Parce que derrière, on peut avoir des conséquences qui sont beaucoup plus graves. Donc, n'arrêtez jamais un médicament parce qu'il va impacter votre sexualité. Si jamais votre sexualité est impactée, parlez-lui-en. Ils sont à l'écoute. Ce sont des professionnels de santé qui sont formés et qui vont vous pouvoir proposer autre chose. Ils vont pouvoir vous proposer un autre médicament pour lequel l'effet indésirable n'est pas retrouvé. Ils vont pouvoir vous accompagner. Ils vont aussi vous pouvoir vous orienter vers un professionnel de santé qui est formé à la santé sexuelle, en particulier les sexologues. Dans mon équipe, eh bien, nous sommes formés justement pour accompagner les gens et leur proposer une alternative thérapeutique ou alors une prise en charge adaptée pour leur permettre de retrouver une sexualité, même si effectivement on est obligé de continuer des fois certains types de médicaments. Voilà, l'interview se termine. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie. Au revoir.